Yo yo yo, welcome, reçois Paul Favor, bienvenue dans cette première vidéo de la série de vidéos que j'ai préparée pour toi. Donc, je tiens à te féliciter parce que si tu te retrouves sur cette page, ça veut tout simplement dire que tu as envie d'optimiser au maximum tes instrumentales coupées décalées, tu as envie de passer à un niveau supérieur en vue de ce qui se passe actuellement avec les artistes qui émergent dans les sons coupés décalés actuellement. Donc, qui je suis pour te parler de tout ça? Moi, c'est Paul Favor. Il y a cela quelques années que j'ai commencé à faire de la musique et aujourd'hui, j'ai pu atteindre des résultats vraiment intéressants grâce aux différentes formations ainsi qu'aux différentes collaborations que j'ai pu établir. À nos jours, j'ai formé plusieurs personnes. Tous ceux que j'ai formés au travers de ce monde sont des beatmakers complets, que ce soit en coupé décalé, que ce soit en afrobeat, que ce soit en afrotrap. Ils font des instrumentales vraiment de haut niveau. Donc voilà un peu tout pour mon histoire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à te proposer aujourd'hui? Si tu es en train de regarder cette vidéo, je tiens à te préciser que tu es parmi ceux qui ont décidé de passer à un niveau supérieur dans leurs différentes compositions coupé décalé. Donc, j'ai une série de vidéos que j'ai préparées qui répondent à un certain nombre de questions que j'ai reçues que tu vas apprendre concrètement. La première vidéo concerne les débutants, donc tous ceux qui ne savent pas comment installer ou télécharger FL Studio. Dans cette première vidéo, j'ai montré comment il est assez facile de télécharger le logiciel FL Studio sur un lien privé de mon site web. Voilà, donc si tu as un MacBook ou si tu as un Windows, j'ai ces différentes versions d'FL Studio. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir les télécharger et les installer sur ton PC. Et ensuite, dans la vidéo 2, je vais te montrer comment tu peux facilement télécharger les différents packs. Parce que en plus de cette série de vidéos, je vais t'offrir de nombreux packs d'instruments qui vont t'accompagner dans tes compositions coupées décalées et dans tes compositions afrobeat. Voilà, donc j'ai fait une vidéo spéciale pour te montrer comment tu vas télécharger ces différents packs sur mes liens privés. Et ensuite, je te montre comment les installer sur ton logiciel FL Studio assez facilement. Maintenant, il y a une autre vidéo où je vais te montrer comment tu vas télécharger les VST. Je vais t'offrir ces différents VST gratuitement. Et ensuite, les prochaines vidéos de cette série de vidéos, je te fais une présentation détaillée de FL Studio. Donc, je vais te montrer de façon simple à quoi sert chacun des boutons de FL Studio. Après avoir vu cette vidéo, tu vas maîtriser pratiquement tous les différents boutons et les fonctionnalités du logiciel. Donc, je vais te montrer les fonctionnalités de base et les options personnalisées avec lesquelles nous allons travailler. Et je vais te montrer les différents raccourcis que moi j'utilise qui me font gagner du temps pendant mes compositions. Donc, et ensuite, il y a une autre vidéo dans laquelle je t'explique, je te fais une présentation des différents packs et des drum kits. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand on parle de pack d'instruments, en fait, de quoi il s'agit? Le pack de sample, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Comment utiliser ces différents packs? Dans cette vidéo, je t'ai expliqué de façon simple comment tu peux déjà savoir comment ouvrir un pack sur FL Studio. Voilà, donc, et ce n'est pas fini, je t'ai préparé une vidéo de spécialisation. Je commence par te faire une petite série de batteries coupées décalées typiques. Donc, quels sont les différents instruments que tu dois prendre pour faire des batteries coupées décalées assez facilement? Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment tu vas faire ça. Voilà, donc ensuite, je vais te montrer tout ce qu'il te faut pour faire des percussions, les tam-tams, ce qui se passe derrière les batteries et qu'est-ce qui se passe en avant les batteries. Donc tout ça, c'est des stratégies utilisées par les arrangeurs qui sont beaucoup plus professionnels que je vais te partager gratuitement dans cette vidéo-là. Donc, et ensuite, je te fais une vidéo d'introduction aux roulades. Dans cette vidéo, je vais te montrer c'est quoi les roulades. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, pour le favor, je n'arrive pas à faire des roulades coupées décalées. Roulades, ça veut dire les changements de séquence du son, ou on va dire les changements de mélodie. Donc, généralement, on a besoin d'avoir des petits décalages, des petites cadences, des petites caisses qui se fracassent pour pouvoir introduire une nouvelle version ou une nouvelle sonorité dans un instrumental. Voilà, donc je t'ai fait une vidéo spéciale roulade qui dure 30 minutes où je t'explique comment tu peux facilement faire des roulades coupées décalées. Je t'ai encore fait une autre vidéo de plus d'une heure de temps où je te montre qu'est-ce qu'il te faut pour faire une mélodie typique coupée décalée. Quelles sont les guitares que tu dois utiliser. Je te dévoile pratiquement tout ce qu'il faut que tu saches pour choisir les bonnes guitares acoustique, les bonnes guitares mute, des bonnes guitares basses, des bonnes guitares électriques, les guitares harmonica et plein d'autres guitares que je te réserve comme surprise. Donc en même temps, je vais te montrer comment tu peux configurer ces différentes guitares directement dans ton mixeur pour pouvoir avoir déjà de bonnes sonorités, c'est-à-dire des sonorités assez professionnelles. Dans cette vidéo, je t'ai montré tous les détails qu'il te faut pour faire des mélodies coupées décalées. Et maintenant, la vidéo qui suit, je te fais une présentation détaillée de l'arrangement et les secrets de finition de beat. Parce que après avoir composé, il te faut arranger l'instrumental. Donc,
je vais te montrer comment les arrangeurs font pour arranger les différences instrumentales des artistes. Voilà, et par la suite, je te fais une vidéo consacrée uniquement aux roulades coupées décalées. Qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on dit roulade coupée décalée, c'est-à-dire la partie des danseurs? Comment ils font pour pouvoir facilement faire agir les caisses et faire danser les danseurs? Donc, je vais te montrer de façon simple comment ajuster, déposer des caisses sur ton piano roll sans avoir à te casser la tête, déposer ces différentes caisses et faire des parties des danseurs assez facilement. Donc, c'est ça que je t'ai réservé dans cette série de vidéos. Et maintenant, en bonus, comme toujours, moi j'offre toujours des bonus à ceux qui suivent mes activités. En bonus, je te fais une introduction au mix et au mastering de Bass FL Studio. Donc, je vais te montrer comment il est facile pour toi aujourd'hui de mixer les différents instruments, d'augmenter la puissance de tes caisses et de pouvoir facilement les masteriser après avoir composé. Donc, il y a d'autres bonus encore, tels que l'assistance personnelle. Si tu réussis aujourd'hui à intégrer cette série de vidéos, tu as une assistance directe de mon staff 7 jours sur 7 pour pouvoir télécharger les différentes vidéos. Et en plus de ça, tu as accès à l'espace membre Jeune Beatmaker pour pouvoir recevoir les astuces journalières pour encore plus t'améliorer dans tes compositions. Il y a plein de gars qui vont t'envoyer des messages sur WhatsApp, ils vont te donner leurs secrets, ils vont te partager leurs différentes astuces qu'ils découvrent tous les jours. Ah, donc, il faut que tu saches que cette série de vidéos est disponible sur une plateforme. Et au fil des jours, je mets à jour les différentes vidéos. Tu verras qu'au fil des mois, je vais ajouter d'autres vidéos en bonus et qui te seront offertes gratuitement. Voilà, donc tu auras tous les éléments, que ce soit les outils, le logiciel ou les vidéos qui te seront ajoutés gratuitement sur ta plateforme. Donc sur ce, je crois que je t'ai présenté de façon globale tout ce qu'on va faire durant cette série de vidéos. Maintenant, ça sera à toi de décider. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description ou à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il te faut fournir comme effort pour pouvoir accéder et télécharger ces différentes vidéos. Sur ce, c'était Paul Favor. On se prend de l'autre côté. Ciao.